Salut à tous les amis, on va continuer aujourd'hui notre aventure sur Immortals Phoenix Rising. Et on s'était on est retourné dans la Halle des Dieux, on a fait un petit peu ce qu'on avait à faire lors de la dernière vidéo. On a sauvé Arès. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller directement voir la statue d'Athéna. On va essayer de libérer Athéna. Mais avant toute chose, avant d'aller directement là-bas, on va aller ici combattre la dernière bête légendaire. Donc il nous reste pas mal de choses à faire. Alors la bête légendaire, est-ce qu'on peut faire un voyage rapide? Pas très loin. Ah bah voilà, ici. Ok. On va aller combattre la bête légendaire. Après on reviendra sûrement voir Aphrodite pour lui dire que c'est bon, on a eu les 4 bêtes. Et après on ira directement vers le troisième dieu. Au total il y en a 4 des dieux à libérer. On a libéré en premier Aphrodite, après Arès. Et après, il nous restait... on va faire Athéna. Et après, il nous reste, je crois, Héphaïstos ou un truc comme ça, je sais plus. Ok. Alors, la bête, elle doit être... je ne sais où. Oh là, j'ai vu une grosse un gros machin. Ouais, je t'ai vu, mais je veux pas aller vers toi, t'inquiète pas. Allez, hop, on va prendre le cheval si on peut. On peut pas prendre le cheval. Non, on peut pas prendre le cheval. Bon, pas grave. Là, on peut prendre le cheval. Non? Bah, comment on appelle le cheval? Bah, y a pas de cheval ici. D'accord, bon, ok. On va aller à pied, hein, et puis c'est tout. Oh putain, je l'ai pas vu, lui. Non, non, tu m'as pas vu. Avance, te cogne pas là-dessus. Non, non, tu m'as pas vu, frère. Je me casse. Je sais pas pourquoi on peut pas prendre le cheval. Ah bah voilà! Il est là. Allez, go. Bon alors, la bébête, elle est où? Elle doit être en bas, la bébête, non? Bon, on va sauter par là. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est, la bébête. Elle est à 60 mètres, mais en bas, je crois, non? Oh, ça doit être cet ours. Ah oui, c'est l'ours. Ok, c'est l'ours. Si pleine de vie. Dommage qu'Hera l'ait transformé en ours. En effet. Oh merde, dommage aussi, et peut-être pire. Allez. Que tu l'aies berné si vite en te faisant passer pour un prince. Bon, ça va, les reproches. C'était une partie de... Oh, t'aurais jamais dû faire ça, toi. Comment je pouvais deviner qu'Hera allait la prendre? Parce qu'elle sait toujours tout. Et cela, à chaque fois. Recule. Yeah, tiens, tiens, mais recule, mon dieu. Ouais, attaque-le. Wow. Il est où? T'es un gros malade, hein. Faut te faire soigner, hein. Allez, attaque-le. Je vois rien, là. Allez, enchaîne. Allez, enchaîne. Il est assommé. Allez, enchaîne. Bon, allez. Bon, recule. Allez, les gars. Wow! Wow! Allez, va-t'en. Wow! Ouf, 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 ouf. Hop là, raté.
Ici. Tu vas foncer, hein. Tu m'auras pas. Et hop là, raté. Allez, dégage. Ouh. Allez, dégage. Allez, c'est bon, il est fini. Ok. Bye bye, nounours. Non, bah, très bien. Callisto. Tous les animaux mythiques furent enfin vaincus. Enfin. Ce qui ne manquerait pas de plaire à Aphrodite. Phosphore de compagnie. Oh, c'est beau ça. Bon, allez. Maintenant qu'on a eu ça, je pense qu'on va aller retourner voir. Hop. Aphrodite. Et lui dire qu'on a eu nos bêtes. Et après, on ira directement vers la statue d'Athéna. Bon, bah très bien. Elle est là. J'ai vaincu les bêtes de Typhon, comme tu l'avais demandé. Oh, que j'en suis heureuse. As-tu pu récupérer leur peau? J'aurais besoin d'un nouveau manteau. Non. Ça, non. J'irai donc les chercher moi-même. Ces créatures étaient repoussantes, mais leur fourrure était splendide. Tu ne m'as quand même pas demandé de les tuer pour t'en faire un manteau? Oh, bien sûr que non. Pour qui me prends-tu? Hermès, les fourrures sont prêtes. Enfin! Oh, tiens, Phénix, une récompense. Mm-hmm. Merci pour ça. Qu'est-ce que tu m'as donné? 40% des dégâts pendant 6 secondes en cas d'emploi. On dirait un démon comme ça. Non, je suis bien comme ça, je suis trop mignonne. Tac, tac, tac. D'accord. Ouais. Pour l'instant, ça passe. Alors. Maintenant qu'on a vaincu ça, on pourra aller directement vers là-haut. Âme de Gaïa. On est allé là, nous? Je sais même plus. On va aller directement là-haut, hein. C'est le plus proche qu'on... Ah non, c'est la crypte. Non, je veux pas aller dans la crypte, moi. Y a pas un déplacement rapide, là. Où est-ce que je peux trouver un déplacement rapide? Il y a un coffre hippique, là. Ah, ça fait loin. Bon, allez, on va aller directement là-bas. De toute façon, c'est le plus proche. Directement tout là-haut, donc ici, et c'est là-bas. Ouais, c'est quand même loin. Allez, on y va. On va essayer de monter tout en haut si on peut. Ouais, ça doit être juste au-dessus. Allez, monte. Ok.
Ok, ok. Hop là. On peut prendre le cheval ou pas? Je peux toujours pas prendre le cheval, je comprends pas. Bon. Lieutenant, quoi? Lieutenant quoi? Ah non, 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 j'ai pas envie d'affronter ce truc là. Hein. Lieutenant, je sais pas quoi, c'est bon. En plus, ça se trouve, c'est même pas mon objectif principal, et moi je vais me casser la tête à affronter des choses. Ok. On arrive dans un monde de fou, hein. C'est super beau ici. C'est bon, on y arrive bientôt. Athéna. Bois de Kleos, ok. Allez, on y va. Ah, oh bah c'est ça la statue, non? Ah, ça doit être ce gros truc là-haut. Ok. Alors, on va essayer de monter. Hop, 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 non, je me barre. Ouh, non, c'est par là en fait. Oh mais il est fou lui. Oh non, je me casse. Je me casse. Je me casse. Bye bye. Non non non, descend, 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 descend. Avance, 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 avance. Avance. Allez, allez, allez. Faut absolument que je me barre de celui-là, là. Faut que j'aille en haut. Oh là là. Wow, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Je me barre. Bye bye. Tu me laisses tranquille, hein. Je vais essayer d'aller là-bas. Voilà. Voilà. Oh, mais il y en a plein là! Pourquoi je peux pas aller tranquillement en haut? Wow! Oh, je me barre. Oh là 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 là! J'ai essayé de monter là-haut discrètement. Enfin, discrètement. Là, je me suis fait griller, mais bon. J'ai envie de monter tout en haut tranquillement, quoi. À la domination d'Athènes. On peut descendre là. C'est mon égide à moi, tu sais. Du coup, c'est aussi une preuve d'amour d'Athéna pour Papa Zeus. Si tu le dis. Allez, monte, monte, monte. Voilà. Je sais pas comment je pourrais monter. Je ne sais pas si j'arriverai tout en haut. Hein. Allez, monte! Monte! Putain, mais il veut crever ou quoi? Voilà, monte. Attends, on va aller par là. Incita les Grecs à tisser de magnifiques étoiles. Allez, mais va sur la gauche, bordel! Elle aurait mieux fait, voilà, à inventer l'ascenseur. Ouais, bah je te ferais monter là avec l'ascenseur, oui, c'est, ça aurait été mieux. Voilà, descends. Voilà. Voilà. La rage et la corruption de... Mais tu montes, oui. Mais Phénix avait échappé à ses griffes. Pour l'instant. Oh putain! Je monte comme ça. Allez, monte.
vite. Et bien entendu, ta chouette. Voilà. C'est un plaisir. Ok, je savais que la chouette représentait la sagesse d'Athéna. Une sagesse dont elle faisait bénéficier les héros mortels. Autant dire un gâchis mais de sagesse oui. absolue. Ah, elle est têtue, hein. Allez, c'est bon, on y est. Ouf. Ok. Ah, il y a un ambroisie ici, on va aller directement là-bas. Cette après. Contrée était empreinte de la sagacité d'Athéna, parsemée de temples dédiés à sa sagesse et à son esprit. Remplie de lieux aux mystères anciens. Eh ben. Nimbée d'indicibles dangers. Ok. Et les impôts locaux, c'est combien dans le coin? Ok. Déesse de la sagesse. Très bien. Phénix remarqua un édifice merveilleux. Les archives. Un lieu où étudier les hauts faits et les stratégies des héros d'autrefois. Ah, ben on va y trouver Athéna alors. C'est de moi qu'elle tient son esprit tactique, tu sais. Mais tu offres la même affection à tous tes enfants, bien sûr. Ha ha, bonne blague. Ok, une grosse zone cette fois-ci de découvert. Ok. Examiner les archives. Mais tout d'abord, on va voir ce qu'on peut voir. Ok. Voilà un ambroisie, on l'a vu, c'est bon. Petite lyre, d'accord. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Afin que les Spartes aient récupéré l'armure d'Arès. Hein? C'est quoi, c'est une nouvelle quête? Ok. Bon, ça en fera plus tard, ça. Défi fresque, d'accord. C'est quoi? Trouver un indice menant au trésor. Ah ouais, bon, ça... C'est après. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la zone? Tac, tac, tac. Il y a quoi, là? Désolé, hein, ça prend un petit peu de temps, là. Ah! Du tartare, très bien. Il y a un truc là. Défi de constellation. Coffre révélé, d'accord, très bien. La fille de Frest, ok. Ambroisie, bah, parfait, c'est ce que je voulais. Je vais essayer de ramasser le plus d'ambroisie possible que je peux. Alors là, il y a un truc là-bas au fond, là, je vois pas c'est quoi. Crypte du Tartare, d'accord, très bien. Il y a quoi là-bas? C'est quoi ça? Coffre révélé. On va essayer de fouiller un maximum de coffres. Hein. On a déjà trouvé 3 ambroisies, c'est déjà pas mal. Alors, il y a un petit truc par là, je crois. Là. Crypte du Tartare, putain, il y a beaucoup de cryptes, hein. Alors, c'est quoi, ça? Là, c'est les archives, hein, où est-ce que je dois aller, hein. C'est ça, ouais. Il y a vu un truc à côté, là. Coffre révélé. Bon. Ah, il y a encore autre chose, là. J'ai fait le maximum, hein, désolé. Je fais le maximum de trucs que je peux révéler, comme ça. Ah bah il y a des coffres de partout. Encore. Bon. Il y en a déjà... J'en ai déjà trouvé pas mal là. Hein. Oh. Encore ambroisie. Ah bah c'est vrai. Parfait. Bon, je pense qu'on va s'arrêter à là.
Et encore autre chose. Là, on va s'arrêter juste après ça et on ira directement. Ouais, bon, un crime du tartare. Bon, on va aller à l'Ambroisie qui est ici déjà. Voilà. Déjà un. Très bien. Alors. Qu'on regarde un petit peu la carte. Je crois que j'en ai révélé encore un autre Ambroisie. Deux ou trois Ambroisies en plus. Alors. Nous, on est où? On est là. Et il y a un Ambroisie que j'ai vu par là. Il y en avait un autre que j'ai vu, je sais plus où il est. Défi, là. L'autre Ambroisie, je sais pas où il est. Je crois que je l'ai découvert, il est un peu plus loin. Ah, il est là. Il est là. Il est juste ici, là. Je crois que c'est celui-là qui est juste derrière. Donc, on va aller celui qui est ici, déjà. L'Ambroisie qui est là. Qui est... Où est-ce qu'il est l'Ambroisie que j'ai trouvé là? Bah alors? J'ai trouvé l'Ambroisie tout à l'heure. Ah, attendez. J'ai cherché le plus d'Ambroisie possible, après on ira directement. Ah, c'est juste là. Hop. Pourquoi ça ne sélectionne pas sur la carte? Ah, ça doit être là-bas. C'est là, là, non? Où il y a le point bizarre, là. Ça doit être là-bas. J'en suis pas sûr, mais ça doit être là-bas. En plus, il y a des créatures, là, en bas. Ah. Ah, je vois un truc qui brille, là-bas, au fond. On va descendre en bas. C'est pas grave, t'inquiète pas. Allez, on descend. Boum! Alors, est-ce que c'est bien par là ou pas? Désolé, hein, je vérifie. Ah bah non, c'est pas par là. Je suis carrément allé à l'opposé. Bon, il y a un Ambroisie ici, on va aller celui qui est là. Et je ne sais pas par où est l'autre. Ambroisie, peut-être là-bas. Parce que là, j'en vois pas d'autres. Ouais, bon, c'est pas grave. On va aller de l'autre côté par là-bas. Il y a un ours, mais bon, c'est pas grave. C'est pas ce que je voulais faire. Hein. Je voulais pas t'attaquer, frérot. Bon, tant pis, hein. Je voulais pas le faire, mais bon. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Aïe. Oh putain, je perds à cause de ça, c'est une blague. Voilà, bon. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Bon. Allez. Ah voilà, c'est ça que je voulais faire. Voilà. Bon, c'est pas grave. On va monter, on va aller par là, tout simplement. Et on va aller directement là-bas. Je crois que l'Ambroisie, elle est de l'autre côté. Tac, tac, tac. En plus, je crois qu'il y a un coffre pas loin, là, en face. Ouais, l'Ambroisie, il est juste au-dessus, je crois. Je crois qu'il est juste au-dessus, près de... Je crois qu'il est au-dessus de la statue. Ah, je vois un truc, là. C'est bon, il est là, il est... C'est bon, je le vois. Allez, on va stopper là. Voilà, tac, tac. Et on monte. Sur une monture me rappelle Bellérophon. Chevauchant Pégase. Aucun héros n'avait jamais réussi à dompter. Et là, je sens que je vais crever. Jusqu'à ce qu'Athéna se présente en rêve à Bellérophon. Et lui remette une bride en or. Ensuite, ils ont chevauché. Et merde. Comme le vent. Bon, je m'ennuie. Tu veux pas te trouver un hobby plutôt que raconter les exploits des autres? Voilà, et monte. Voilà. Voilà, tranquillement. Voilà. Comme ça, c'est plus clair. Allez, tourne. Et monte. Tac, 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 tac. Allez. Et voilà. Ok, un Ambroisie plus. Ok, bon, on peut redescendre. Alors, c'est quoi ça?
Oh, je m'en fous ça. Bah, j'ai pas envie. Alors, ensuite. Ensuite. Il fallait examiner le truc. Et là, il faut examiner les archives. Donc, on va aller directement à côté du coffre. Comme ça, ce sera plus simple. Il y a un coffre juste à côté. Donc, c'est dans la bonne direction. Après, on ira chercher l'ambroisie de l'autre côté. Tu peux utiliser ton cheval ou pas? Non. Allez, utilise ton cheval quand même. Voilà, merci. Allez, on fonce. Le coffre, il doit être pas loin. Hein. Le coffre, il y a 100... Ouais, juste ici. Il est pas là. Il est par là. Ah, le coffre, c'est lui qui le garde. Decker. Allez. Allez, doucement. Allez, vas-y. Mais t'es un fou, toi, dans ta tête. Allez. Hop, sûrement pas, toi. Allez, dégage. Allez, toi aussi. Allez. Oh, wow. Allez, prendre la santé. Et prendre la santé, bordel! Voilà, merci. Il est où? Voilà, c'est bon. Ok, donne-moi ce petit coffre. Voilà. Ok. Très bien. Bon. Nouvelle arme, cyclone. Bah, très bien. Alors, il y a encore un autre coffre tout en haut. Bah, on va aller là-bas. Donc on peut utiliser des coffres, c'est bon. Je pensais pas qu'il y en avait deux coffres, en fait. Je pensais que c'était le seul qu'il y avait. Mais bon, allez, le coffre, il est à 122 mètres en haut. On va essayer de le récupérer et de le choper. Et après, on va direct vers les archives. Tu sais qu'elles utilisent un processus rigoureux afin de s'assurer de l'authenticité de chaque document qu'elles reçoivent. Putain, il y a des ennemis, la merde. Tu sais que j'ai envie de mourir à chaque fois que tu parles. Allez, hop. Le coffre, il est... À mon avis, il est à l'intérieur, donc il faut que je batte ses ennemis. Le coffre, il doit être dans ce truc-là, dans ce bâtiment-là. Le problème, c'est comment y rentrer. En affrontant cela, évidemment. Donc on va essayer d'en faire hein, discrètement. Oh, c'est quoi ça? Je peux pas le prendre, ça. Oh, c'est quoi ça? Attends, je peux rien faire? Je peux rien faire. Bon, on va aller tout doucement comme ça. Non, t'as pas vu. Eh merde, il m'a vu. Bon, tant pis. Bon, ils ont grillé, hein, pas grave, tant pis. Allez manger. Allez. Oh, sûrement pas, toi. Allez, mange, ça t'apprendra, ça. Allez, dégage. Tu peux ouvrir? Oui, il y a un autre ennemi. Tu peux ouvrir ou pas? C'est quoi ce délire? Pourquoi il m'ouvre pas? Pourquoi il m'ouvre pas le... Peut-être qu'il y a un courant de choses en bas là, non? Non, il n'y a rien à faire par là. Pourquoi il m'ouvre pas le truc? Je veux le coffre, moi. Pourquoi il m'ouvre pas? C'est quoi ce délire? Il veut pas mourir. Peut-être qu'il y a un autre ennemi, je sais pas. Non, il n'y a pas à bouger ça. Zone de quête. Bon. Je sais pas pourquoi il veut pas mourir, le truc. Il n'y a pas un autre défi? À moins que... Ah! C'est bon, j'ai compris. J'ai pigé. Je pense qu'il faut que j'allume les deux trucs là-haut, là. Pour ouvrir la plateforme. Enfin, pour ouvrir le... Je pense, hein. Ok, à mon avis, il faut que je les enflamme. On va essayer le coup. On va essayer si ça marche. Alors, la flamme, elle est où? On va essayer comme ça. Et quoi qu'on va essayer par cette flamme-là, là, ce sera plus simple.
faire ça. Non, comme ça. Hop là. Voilà, on va essayer d'enflammer ça. Ok. D'accord. On va faire ça. Et on va faire... Ah merde. J'ai raté mon coup. On va essayer de refaire tout le tour. Allez, vas-y, tourne. Là. Ah merde, j'ai loupé. On va refaire tout le tour. Allez, vas-y. Là. Boum. C'est bon ou pas? Normalement, c'est bon. C'est bon. Nickel, ok. Bon, bah, parfait. Nouvel équipement. Pelage de troupes. Ok. Y'a quoi là? Ah, j'ai cru que c'est brillé, je me suis dit bon. Bon, allez, allons voir les archives. Je pense que c'est par là. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Hop. Alors, voyons voir. Non? Par où je dois aller? Y'a rien par là. Phénix arpenta les archives, foulant des statues en miettes de héros déchus. Parce que rien ne vaut une bonne balade dans un temple bien inquiétant et tout en ruine. Phénix est une héroïne, Zeus. Ah, c'est comme ça qu'on appelle les humains qui meurent, je te signale. Eh oh! Y a quelqu'un? Montre-toi et viens me battre! Je n'ai pas envie de me montrer. Oh oh. Je viens de le faire. Oh, je t'ai écouté. Une enfant? Je ne suis pas une enfant. Je suis Athéna. Athéna. Oh. La déesse de la sagesse. La prophétie. Une enfant persuadée. Mais oui, tout devient clair maintenant. Oh là là. Oh, tu n'imagines pas à quel point j'avais hâte de te rencontrer. Mais pourquoi tu es si petite et si méchante? Tu le serais aussi si Typhon t'avait fait rétrécir et avait lancé une hydre à tes trousses. En entendant tes pas, j'ai cru que c'était ce monstre à face de serpent. Eh bien, je ne suis pas une hydre, mais une grande admiratrice. Et oh, j'ai tellement de questions à te poser. Tu as vraiment battu Arès lors de la guerre de Troie? Pardon? Ah oui, deux fois. Incroyable. Et tu as vraiment été juge au procès de... Désolée, tu t'appelles comment? Phénix. Oh, quand je pense que je suis devant la vraie Athéna, même si c'est une petite... Enfin, une petite déesse. Tu allais me traiter de petite fille, là? Eh bien, oui. Ça t'aurait coûté... très cher. J'ai compris. D'accord, je veux bien te croire, tu n'es pas une hydre. Mais ça veut donc dire qu'une hydre féroce est toujours à mes trousses. Où Typhon a-t-il caché ton essence? Si tu redevenais toi-même, cette hydre n'aurait aucune chance. Et on aurait fait un pas de plus vers la dépétrification de tout le monde. Ah mais voilà, c'est la première étape! Et s'avance la championne au cœur brave et à la tenue discutable. Attends, quoi? J'attendais ta venue. Seul un champion mortel peut emprunter le chemin des héros pour libérer le bâton du temps de Chronos. Le bâton du temps? Oui, il renferme le pouvoir du dieu du temps. Il nous permettra de vaincre Typhon et d'inverser le cours des ans pour annuler la pétrification. Sans ce bâton... nous sommes perdus. Oh, waouh! Et tu as un plan pour le récupérer? Chronos l'a perdu dans le fleuve du temps. Il n'apparaîtra qu'au champion qui suivra le chemin. La prochaine étape est de tuer l'hydre. Pour ça, je peux t'aider.
J'ai déjà fait des choses plus étranges sur cette île. Tant mieux! Alors c'est réglé. Sois ma championne et va tuer cette effrayante hydre. Ma foi, les choses vont vite. Il y a une minute, tu as essayé de m'écraser avec une statue. Oui, mais c'est ainsi que va le destin, championne. La première de tes tâches est de tuer l'hydre. À plus tard. Sacrée tâche. Aurais-tu un conseil plein de sagesse à me... Athéna a eu nez creux en pensant au bâton de Chronos. Il n'y a pas grand-chose qui lui échappe, celle-là. J'ignorais que tu connaissais son existence. Ah ben je veux, mon neveu. De toute façon, les bâtons, le bricolage, c'est mon truc. J'ai appris ça, oui. L'hydre légendaire. Tu es l'hydre légendaire, ok. Bon, on va essayer. Hein. C'est quoi? Pas cette bestiole, ça. Oula. J'appuie sur la mauvaise touche. Voilà. Où est-ce qu'il est, l'hydre machin chose là? Ouais, c'est tout en bas. Ouais. Oula. Bah, il est où? Aux chutes, Phénix vit les redoutables têtes de pierre de l'hydre. Hein? Des visages aux dents puissantes surgit d'un cauchemar. On voit que t'as pas vu Hera sans maquillage. Ok. Et l'hydre, il est où? C'est ce truc-là là, que je vois là-bas, là? Ah ah. Ok, à mon avis, il est à l'intérieur. Hein. À mon avis, il est à l'intérieur. Bon. Je me tente, on y va. C'est là-dedans, hein? Je sais pas. Attends. Si je m'éloigne un peu, je vais voir. Hein. Je vérifie juste si c'est bien à l'intérieur ou je me trompe. Oula, monte. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Non, à mon avis, c'est bien à l'intérieur. Ah, ils me disent encore en bas. Ils me disent encore en bas. Non? Je comprends rien. Ah bah non, c'était bien en haut. Ok. Bon, bah on monte. Monte, monte. C'était bien en haut dans l'espèce de grotte. Attends, on va attendre. C'était bien dans la petite grotte en fait. Bon, allez, on va rentrer à l'intérieur. Je pense que c'est dans une crypte le truc. Allez, on y va. T'as d'autres à l'intérieur, je pense. Le monstre reptilien. D'accord. Rien que ça. Récupérer la dent de l'hydre. Ah bah voilà, c'est bien ce qui me semblait, c'est... Bon. Là, ça va être la merde. Ok. Ok. Porte, d'accord. Oula! Choisis quelqu'un de ta taille, espèce de monstre!
Wesh, il fait quoi lui? Arrête de m'envoyer tes sbires, mais t'es fou toi. Wow. Tiens, mange. Ah ouais, deux têtes maintenant. Wow. Attends. Allez. Ok. Ouais, bop. Allez, vas-y. Hop là, raté. Wow. Allez. Et bim. Tiens, mange dans le bas. Allez, dégage. Vas-y, enchaîne. Allez, dégage. Crevé, c'est bon. Allez, mange. Voilà. T'as pas fini? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ouais, po. Foutez de ma gueule, là. Wow. Oh ouais, d'accord. Allez, boum. Et boum. Recule. T'es en train de... Ouais, popo. Allez, mange, frère. Attends. Allez, hop. Ouais. Allez, mangez ça. Wow. Allez, hop. Vite, recule. Voilà, c'est bon. Wow. Ah, lui, il est dead. Hop. Tiens, mange, frérot. Ça te fera du bien. Ah non, va pas là-dedans, je suis con, moi. Vite. Voilà, c'est bon. C'est tout? Ah, d'accord. Bah, il était pas compliqué, celui-là. C'est ainsi qu'une hydre féroce périt devant Phénix. Une victoire digne des grands héros. Ah, et n'exagérez pas, Athéna. Une vraie cochonnerie à tête de serpent. Une vraie cochonnerie à tête de serpent, qui dit. Ok. Très bien. Ok. Bon, bah nickel. Non, j'ai pas encore, je veux faire un voyage rapide, frère. Est-ce que je peux faire un voyage rapide? Allez, on va faire un voyage rapide d'ici, c'est pas grave, on... Au moins j'évite cette bestiole-là, là, qui va nous casser la tête, et je vais refaire le trajet de l'autre côté, c'est pas grave. Parce que là, si je veux remonter, là, ils vont m'attendre au tournant ou ils vont m'attaquer par au-dessus. Ça va être vraiment catastrophique. Donc, je vais retourner en voyage rapide de l'autre côté. Et après, on retourne de l'autre côté. Parce que ça va être galère, sinon. Allez, hop, on y va. Ouais, je le vois, Athéna, là-bas, au fond, c'est pas grave.
On va aller plutôt descendre par là. Allez. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Voilà. Go. Tu veux prendre l'échelle ou pas? Voilà, parfait. Bah, pourquoi tu l'as pas pris? Voilà. Allez, go. Alors, il est où ce pont là? Oula! Il y avait un pont là. Ah, il est là. Non, mais c'est une blague là! Écoute, on va la payer! De son imperfection divine. Il va me poursuivre tout le long celui-là, hein. Il est chiant. Hein. Bon, allez, descends. Enfin, monte plutôt. Elle est là. Coucou toi. Eh bien, ça n'a pas été facile, mais cette hydre ne nous embêtera plus. Quelle est la prochaine étape? Ensuite, Ah oui, l'apprenti championne est censée aider le paria ailé. Le paria ailé? Oh, l'oiseau que j'ai sauvé. Mais je l'ai déjà fait. Oh, c'est formidable tout ça. Waouh! Gros enthousiasme pour avoir sauvé un oiseau. Bizarre ça. T'es bizarre, non? Mais bon, une championne bizarre reste une championne. Oui, enfin, je n'ai pas fait que sauver l'oiseau. Tu as réussi! Tu as tué l'hydre et aidé la bestiole avec les ailes. Bon, maintenant... Ah oui! La prochaine étape, c'est de devenir comme les grands héros et de recevoir une bénédiction. Ah bah donne. Ok, très bien. Merci Athéna. Pas mal, non? Tu vas devenir une héroïne comme Atalante, Achille, Ulysse et Héraclès. Et ainsi, le bâton sera à toi. D'accord. Et maintenant? C'est quoi déjà? Ah oui, voilà. Étudie le parcours des héros et marche sur leurs traces. Parfait. Et ensuite? Quoi ensuite? Un feu sans vent ne brûle pour personne. Oh, quelle sagesse! Tu veux dire que je dois me concentrer sur... Faire quelque chose! Apprends les leçons des héros! Ok, le bon, la brute et la toute petite. Pas mal. Accomplis des tâches héroïques. Enfin, des actes héroïques. Ok. D'Atalante. Ok. Alors. Qu'on voit un petit peu ce qu'on a. La stèle d'Atalante, elle est là. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller ici. Parce que là, il y a un ambroisie ici. Donc on va essayer si on peut... non. Voilà. Ici... Ouais, c'est juste derrière le truc. Non, désolé, c'est pas ce que je voulais faire. D'aller juste ici, là. Il y a un ambroisie là qui m'intéresse. Donc on va aller là-bas. Et je ne sais pas par où c'est. Ça doit être derrière l'autre côté, là-bas, là. Je crois qu'il y a un coffre là-bas au fond aussi. Alors, on va descendre par là. Allez. Voilà. Voilà, l'ambroisie est juste derrière. Hein.
essayer de couper par là pour éviter d'affronter ces bestioles. Voilà. Là, tu m'as vu, mais je me casse. De la forêt d'Atalante, une femme célèbre pour avoir toujours refusé de se marier et pour avoir habilement traqué le sanglier de Calydon. On a dû la prévenir contre le mariage. Je connais, je la comprends. Voilà qui fera plaisir à tes épouses. Ah, c'est juste au-dessus. Ouais, ça doit être tout en haut du temple, là. Ouais. Hop. 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 Alors, où est-ce qu'il est l'Ambroisie? Peut-être il est tout en haut du bâtiment, là. Montez par là. Allez. Il est là, parfait. Donne. Voilà. Ok. Bon, maintenant on peut aller directement trouver la stèle d'Atalante de l'autre côté. Oui, je sais, merci. Pas la peine de me le répéter, ça. Ok. Ok. Alors, 75, 69, 63, 58. Où est-ce que c'est? C'est juste en bas, là. 19. Ça doit être ça. Opiniâtre Atalante. Première à frapper et première à agir. D'accord. Chasser la proie d'Atalante. D'accord. La proie d'Atalante, c'est qui? Te souviens-tu, gros Zeus, que la flèche d'Atalante fut la première à transpercer la peau du sanglier de Calydon? Son histoire est un bel exemple de persévérance. Rends-toi compte. Elle avait été abandonnée dans les bois et éduquée par des ours. Tout ça parce que c'était une fille. Les dieux, et moi le premier, ne feraient jamais une chose pareille. Tu peux demander à Athéna. Je le ferai si je réussis à placer un mot. C'est quoi ça? Ah, monte, monte. Végose. Alors, l'autre partie, elle est où? Il faut que je trouve la stèle d'Achille, c'est ça? Ah! Il faut que je monte jusqu'à là-haut! Oui, 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 oui. Bon, on va retourner là-haut, hein. Comme ça, on ira de l'autre côté. Alors, 500 mètres. La stèle d'Achille. Ok, on y va. 460. Allez, tout doucement. 405, 400, 300. On va redescendre un petit peu parce que là on perd de... T'inquiète, 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 tu vas pas tomber. Voilà. Hop, désolé du bruit. Hop là. Ok, on y est presque. Allez, allez, allez. Voilà, merci. Ok, c'est juste en haut normalement. Normalement, la stèle est juste en haut. Ah, allez là, je la vois. Ok. Ok. Confiant Achille, le fleuve Styx te réparer la statue d'Achille. Mais hélas,
Pas entièrement. Ah merde! Pendant la guerre de Troie, la fureur d'Achille ravagea les forces de l'armée. De toi, toi. Jusqu'à ce que son talon entraîne. Oupla! Ah, pour un mortel, il savait le faire, hein. Sans pitié. Allez, mange. Mais il savait être dans la aussi. On sentait qu'on pouvait lui aider son cœur. Oh, allez, mange. Je n'étais pas un dieu. Mais il y avait toi, je t'ai vu là-bas au fond, hein. Crois pas que je t'ai pas vu, hein. Le bonhomme était partout. D'accord. Ouais, je l'ai vu derrière, je l'ai vu. Je l'ai vu, lui, là, le gros balourd, là. Allez, mange. Et bim, et bim, et bim. C'est bon, je l'ai eu. Toi, allez, guignol, allez, dégage. C'est bon, ouais. Bon. Alors. C'est ça, là, là-bas, là. Qu'il faut que je mette. C'est celui-là ou pas? Non. C'est laquelle la statue qu'il faut que je mette là? Ah bah si, c'est là. Hop. Bah voilà. Triompher de l'épreuve d'Achille. Oh, tu me donnes trop d'épreuves, frère, hein. Oh, il faut que j'aille à l'intérieur. Oh, oh. Alors, bon. C'est pas un coffre, ça? Bon. Ok, bon, on y va, hein. Beaucoup de choses à faire là, hein, dans cette zone. Hein. L'épreuve d'Achille, le truc de... comment ça s'appelle? C'était quoi avant Achille? Je m'en rappelle même plus. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore là-dedans? Durant la guerre, ok, scène trompeuse de Dolos. Ah mais ça, je m'en souviens. Même qu'il a arrêté de se battre pour les Grecs. Ouais, doucement. Ce qui eut des conséquences désastreuses. Ok. Ainsi, il ne faut pas négliger le livre. Allez, on va prendre ça. Hop. On va ouvrir ça. Hop. Et là, ça va être la merde. Ah. Aïe, aïe, aïe. Oh, il y en a derrière. Je t'ai vu, toi. Hein. Ok, lui, c'est bon. Hé, 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 hé. Tu vas te calmer, toi. Hein. Allez, dégage. Boum. Boum. Ça, c'est des petits sbires à la con, là. Ils sont très faciles à battre. Peu importe la difficulté, franchement, ça doit être très facile à les battre. Là. Oh, là, du coup. Oh, 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 oh. Oh, il y en a un gros, là-bas. Ah, oh, il y a un volatile. Boum. Allez, bim. Allez. Vas-y. Hé, 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 hé. Tu vas te calmer, toi. Hein. Allez, mange. Hé, 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 hé. Il va se calmer, lui. Bon, attends, 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 il y a le volatile là qui me casse les burnes. Toi là, toi là. Allez, dégage. Saleté de volatile. Allez. Wow. Allez. Tiens, mange. Voilà. Raté. Allez. Allez. Voilà. Ok, il y a l'autre. Boum. Oh putain, j'ai pas vu lui. Mais tu sors d'où, toi? Dégage. Tu vas rien faire, toi. Hein. Putain, il m'a eu quand même, hein, frère. Allez, 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 allez. Oh, 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 t'aurais jamais dû faire ça, toi. Allez, enchaîne, enchaîne, enchaîne. Hop là, raté. Allez, dégage. T'en mets encore un coup? Oh merde, enfoiré. Il m'a eu, hein. Allez, dégage. Allez. Wow. Allez. 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 Allez.
Allez, vas-y. Allez, vas-y, il est bientôt fini. Allez, encore un coup. Wow. Bon, allez, dernière flèche dans ta gueule. Allez, dégage. Ouf. Allez. Son orgueil avait condamné. Ah, c'est tout, c'est bon, ok. Bien avant. Alors, c'est pas fini. Flèche ne lui transperce le talon, Prométhée. Mais on se souvient de son courage et de sa résolution. Ok, nickel. Bon, bah parfait. Parfait, parfait, parfait. Alors pour l'instant, il n'y a pas de casse-tête un petit peu compliqué où il faut se réfléchir des trucs. C'est juste des petits défis. Ça va. Ça va, c'est pas trop... trop casse-gueule. Bon, bah très bien. Après avoir étudié deux des héros, Phoenix avait la tête emplie de leurs récits. Elle se retrouva à admirer la statue d'Achille. Ah, mais c'est bien. Il y a de quoi, non ? Regarde-le. Salut, Achille. Tu as dû en apprendre des choses pendant tes aventures, non ? Ou alors, tu n'as jamais eu besoin d'apprendre quoi que ce soit. Peut-être que les gens comme toi et mon frère devinent toujours tout. Quelle importance si c'est dur après tout. Tu n'étais pas parfait et quand on voit ce que tu as accompli, et j'ai Athéna pour me guider. Merci mon grand. Ça m'a fait du bien de discuter avec toi. Et pense à protéger ce talon, hein ? Le talon d'Achille. Mais c'est devenu une marque le truc. Pas une marque. C'est pas une marque, mais vous avez compris. Ok, retrouver la stèle du lys. Oh putain, mais il y a combien de stèles, bordel ? 260. Okay. Ah, c'est des actes héroïques, d'accord. Mais est-ce que c'est des quêtes annexes ou pas ? Parce que là, j'avance, mais bon. Ok, ça c'est le deuxième. Doublement de la vitesse de reconstitution des flèches. Oh, c'est pas mal, ça. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que je peux améliorer ? Non, pour l'instant, je suis bien avec ça. Pop, 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 pop. Là, là. Là, je suis bien avec ça pour l'instant. Alors. Là, je pourrais utiliser de l'énergie. Il me semble qu'après, je pourrais utiliser d'autres choses. Mais bon, on verra. Allez, trouver la stèle du lys. Et merde. Je vais te rendre parfaite. Alors, la stèle. C'est laquelle ? Je vois pas où elle est. Je vois pas où elle est la stèle. Ah, peut-être elle est en haut. Non, elle est en bas. Non, elle a l'air d'être en bas. Attends, descends. Mais je sais pas où elle est. Je vais essayer d'éviter ces... Ah, il doit être en haut. Hein. Ah bah non, elle est là. J'ai même pas vu. Ramenez le navire d'Ulysse. Courroucez le dieu de la mer et conquis.
conquis à nouveau le cœur de ton amour. Elle monte. Ramener les navires du lycée, c'est dingue. Bon. Déjà, il faut que je sache où le skill est ce navire. Parce que là, ça explose de partout là-bas. C'est fortiche la technique d'Ulysse pour dire au Cyclope que son nom, c'est personne. Du coup, quand l'autre se fait crever l'œil, il gueule oh, « Personne m'a aveuglé, personne m'a aveuglé !» Où est-ce qu'il est, ça vient ? Ah, les mortels peuvent se montrer mal, n'est-ce pas ? Où est-ce qu'il est, le navire ? Il n'y a pas de navire, hein. Peu de quel navire il parle, mais bon. Ramener le navire du Lys. Essayer de remonter, parce que je vois pas de quel navire il parle. Hein. J'ai pas vu de navire. Hein. Normalement, un navire c'est sur l'eau, mais j'ai rien vu. Zone de quête. Où il attaque lui ? Wow, wow. Phoenix avait survécu à la rage. Il va où ? Wow ! Allez, dégage. C'est quoi le navire du Lys ? Il y a un coffre là, d'accord, mais je comprends pas, le navire du Lys, il est où ? C'est ce truc là, là ? Je comprends pas. Il y a un truc que je pige pas. Désolé, si je prends un petit peu de temps, je vois pas de quoi il parle. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je vois des pierres, mais je vois pas de truc. Ah, c'est ça ? Je vois un petit bateau, là. C'est ce truc-là, là ? Non. Bah non. Je pige pas. Désolé, je pige pas. Je vois pas de navire, moi. Qu'est-ce que c'est que ce charabia ? Monte. Je pige alors que dalle. Les Grecs avaient perdu tout espoir de remporter la guerre contre Troie. La sagesse d'Athéna inspira Ulysse. Ah, c'est ça, d'accord. Je crois qu'il faut la verser. On va essayer de la lancer tout au fond là-bas là. Hop. Je pense qu'il faudrait la mettre sur l'autre statue, il me semble.
Voilà. Hop. On va se barrer là-bas. Et je pense qu'on va bientôt s'arrêter là, les amis. Hein. On aura bien avancé. Ici. Ulysse s'était résolu à regagner son foyer. Oh, mais il y a combien de machins, là? Le voyage fut éprouvant, mais il rentra chez lui. Pour un mortel, il s'en est bien sorti. Oh là là. Je le reconnais. Là, je dis chapeau. Bon. Trouver la stèle d'Héraclès. Bon, la stèle d'Héraclès, elle est hyper loin. Hein. Ah oui, il est carrément à l'autre bout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... plutôt, pour finir cette partie, on va retourner ici. On va voir ce qu'on a récupéré durant toute cette aventure, et on va s'arrêter là. Hein. Parce que là, on aura bien bien avancé. On refera ça, on continuera ça lors d'une prochaine vidéo, tout simplement. On aura bien 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 avancé là, c'est nickel. Allez, allons voir ce qui se passe. Tu as de l'électrum qui te brûle les poches ? Ah, peut-être, hein, qui sait. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Tiens, on va aller voir vers... Alors là, ce qui se passe... Ah, amélioré. Merci. Très bien. Et bah parfait. Très bien. Une santé améliorée. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Niveau aptitude, je crois qu'on peut rien faire. Ouais, j'ai aucun sou, donc ça sert à rien. Ici, qu'est-ce qu'on a? On peut améliorer. Hop. Ok, nickel. Jusque-là, c'est bon. Alors, les potions. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les potions? Alors, ouvrir. Tic tac tac, c'est quoi? Reconstruction d'énergie portée à 3 fragments. Mmh. Renvoie des projectiles qui infligent 25% de dégâts. Bon, ça c'est pas mal. Étourdissement, je m'en fous un petit peu de ça. Là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. Ah, palapapap. Ok. Inflige 200% aux ennemis assaillants. Allez hop. Prends ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Niveau arme, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut améliorer ça. Alors on améliore ça. Ok. Ok. Ok, ok. Bon, déjà pas mal. Épée, très bien. Bon, les amis, on va s'arrêter à là. T'es où, toi? T'as quoi à vendre? Qu'est-ce que ce sera, Phoenix? Qu'est-ce que t'as à vendre? J'ai rien, de toute façon, Sarah. Hein. Putain, ils ont... Il y a des belles tenues, quand même. Hein. Ah, 425, c'est trop. Bon,
On va s'arrêter là, les amis, pour cette partie de Immortal Sphinx Rising. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, évidemment. Et on se retrouvera la prochaine fois. Ciao, bye bye.